tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test du Honor 6. Donc, le Honor 6, c'est le haut de gamme de la marque de chez Honor. Alors, il faut savoir qu'un test est déjà disponible sur notre chaîne, donc sur notre playlist exactement. C'était sur ma chaîne perso à l'époque. Donc, c'était le Honor 6 en blanc. Là, aujourd'hui, j'ai pris le noir pour changer un peu. Donc, le Honor 6 en blanc, donc c'était celui que j'avais gagné sur le forum Android de jeuxvideo.com. Et donc il fallait faire donc un test, et donc il est disponible sur notre chaîne, un test très complet. Et donc ici je vais refaire ce test, mais en version EMUI 3.0 et en version noire aussi. Quelque chose qui va changer un petit peu puisque la plupart des tests sont avec la version blanche. Alors une petite remarque sur la marque, donc Honor. Honor c'est une filiale de Huawei, Huawei qui commence très sérieusement à devenir très imposant, un des plus gros constructeurs mondial, et ils ont décidé de construire, de créer Honor, cette filiale où en gros ils vont jouer la carte de l'internet et du bouche à oreille en termes de marketing et de vente. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau et que plusieurs marques commencent à faire. Et donc Honor est encore tout nouveau, ils ont à peine dépassé les 100 jours il y a quelques temps. Si vous vous souvenez, le meet-up de Honor, eh bien c'était pour fêter aussi les 100 jours de la marque. Donc c'est vraiment une marque toute récente, même si derrière on a un constructeur qui est quand même qui a quand même de l'ancienneté. Donc ils ont sorti en haut de gamme le Honor 6, qui est donc bien sûr la version, on va dire, européenne entre guillemets, puisque il existe en Chine mais sous la marque Huawei. Le Honor 6 c'est devenu haut de gamme. Il faut savoir que la gamme Honor à la base de Huawei, c'était plus du bas de gamme, donc Honor, le Honor 2 et Honor 3 qui sont sortis peu après, avec les 4V2, des processeurs qui n'étaient pas très très, comment dire, bien vus parce qu'ils chauffaient énormément, dû à plusieurs choses. Et donc ils ont décidé, je ne sais pas si c'est pour le marketing, pour dire iPhone 6, etc., mais ils sont passés du Honor 3, qui était plus dans le bas de gamme, milieu de gamme, puisque là, normalement, c'est la gamme Ascend qui est censée être dans le haut de gamme, à directement Honor 6. Et donc, on se retrouve avec Honor en Europe pour essayer de conquérir ce marché européen. Alors, pourquoi après Huawei a décidé de conquérir, de créer cette marque? C'est peut-être aussi pour se créer une nouvelle image, puisque Huawei, il faut savoir que ça vend surtout beaucoup chez les opérateurs avec des petits téléphones, et c'est vrai que ces petits téléphones en général ça fait du bien aux marques, puisque en général ce sont des petits appareils bas de gamme qui sont ni très performants ni de très bonne qualité, et encore moins vraiment fiables. Donc c'est peut-être aussi une autre façon de percer, avec une image de marque différente, une philosophie différente. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller regarder la vidéo du Meetup où ils expliquent un petit peu leur démarche, leur philosophie, très différente de la marque Huawei qui est vraiment dans le classique avec Samsung, etc. Plutôt intéressant d'ailleurs à voir. Donc maintenant on va passer un petit peu au design, etc., parce que là j'arrête pas de parler en présentation, de ce Honor 6, le haut de gamme de la marque. Alors on va commencer. Alors pour commencer, on a un écran de 5 pouces de marque JDI, 5 pouces Full HD, donc du 1080p, donc qui prend à peu près 76%, si je dis pas de conneries, de la surface de l'appareil, ce qui est plutôt grand. En bas nous n'avons rien, et en haut nous avons donc le haut-parleur pour... Alors je vais essayer de mettre de la lumière pour mieux voir. Hop. Il y aura sûrement un reflet par contre. Donc ici nous avons le haut-parleur pour le téléphone, la caméra avant. Nous avons ici le capteur de luminosité, donc qui est vraiment très très discret. En gros il est à peu près là où je pose mon doigt. Donc c'est vraiment très très discret, il ne se voit même pas. Il faut vraiment avoir l'œil. Et c'est à peu près tout. Petite information à savoir par rapport à ça. Donc normalement on a... films de protection qui sont incluses avec la boîte. Donc la boîte ici. Donc qui permettent bien évidemment de protéger l'écran. Mais il faut savoir qu'en Chine, donc vous pouvez utiliser par exemple le moyen via AliExpress, attention vendeur, des films de protection qui incluent, alors je vais vous montrer ça très rapidement,
qui inclut en fait des touches sensitives, puisque vous voyez qu'ici ce sont des soft keys. Donc on va essayer de trouver ça très rapidement. Si je l'ai. Voilà, touche et plus. Donc vous pouvez voir un petit peu justement à quoi ça ressemble. Donc vous avez trois touches sensitives en bas et deux touches en haut, comme vous pouvez voir, deux points verts, qui vont permettre d'un côté d'activer le microphone et de l'autre d'activer la caméra. Donc ça va prendre une photo à la volée. Donc on aura juste après à les activer ici. Mais voilà, ça existe. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas prévu d'être vendu en France. Donc c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est intéressant justement d'avoir ce système qui est plutôt novateur, j'ai envie de dire, où justement on peut remplacer les touches qui sont là par en dessous en fait l'espace inutilisé ici. Donc pour les utiliser comme des touches sensitives classiques, ce que je préfère de mon côté. Continuons maintenant. Donc sur le côté gauche de l'appareil, la tranche gauche, nous n'avons rien du tout, à part donc cette tranche. Donc c'est du plastique, c'est 6 mini, on va dire 6 mini métal, mais c'est juste du plastique. On peut voir que ça s'arrête juste ici, donc ça change un petit peu des autres marques qui ont tendance à faire un pourtour complet. Au-dessus, nous nous retrouvons avec du jack 3.5. Le micro, donc ça c'est micro pour capter quand vous parlez, pour capter, pour réduire l'ambiance générale, donc ça permet de mieux entendre. Le port infrarouge qui va vous permettre par exemple d'utiliser votre TV, en fait, enfin, comme une télécommande pour votre TV ou n'importe quoi. Malheureusement en Europe, il faut savoir que c'est interdit de mettre une application pour les ports infrarouges, ce qui fait qu'il va falloir chercher une application compatible. Il faut savoir que sur XDA, il en existe une qui permet d'avoir absolument toutes les marques, absolument tout, et donc pouvoir utiliser cette application pour faire marcher le port infrarouge. Sur le côté droit, on se retrouve avec donc touche volume plus et moins, touche power. Donc il faut savoir qu'ils sont un petit peu différents en fait, ils ne sont pas tout, comment dire, tout lisses. Il faut savoir qu'ils ont une espèce de petit picot. Donc c'est quelque chose que je pourrais pas vous. Je sais pas si ça va se voir. Et en gros, ça va permettre une sensation un petit peu différente quand on va le toucher en fait. On va sentir ces petits picots. Ici, on se retrouve avec, comme vous pouvez voir, deux espèces de rainures. En fait, ça va permettre, comme vous pouvez le voir ici, d'enlever ça et de pouvoir mettre alors une micro SIM et une micro SD. Micro SD jusqu'à 64 Go. Donc je vous montre bien les ports parce que je ne les ai pas très très bien montrés. Donc vous pouvez voir ici. Donc le port est plutôt discret, comme on peut le voir. Mais il y a un très léger jeu. Alors je l'avais sur le blanc, sur le noir, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais il peut exister un léger jeu, ce qui fait que ça peut être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Et donc on finit avec cette petite rainure. On finit en dessous avec donc le micro pour parler. Alors je vais essayer de le montrer bien. Le micro ici pour parler quand vous êtes au téléphone et le port micro USB pour recharger, pour connecter au PC, etc. On finit avec le dos. Oula, c'est ça le dos. Donc le dos où on se retrouve avec un capteur 13 mégapixels ici avec double flash LED. Donc bien sur le coin, la marque Honor ici, donc très très discret, plutôt classe, donc un peu du classique on va dire là-dessus. Et ensuite, on se retrouve ici avec un haut-parleur. Alors c'est assez impressionnant parce qu'en version blanche on voit super bien, et ici en version noire on voit strictement rien à la caméra. Donc ici on se retrouve avec un haut-parleur classique, donc malheureusement qui est basé sur le dos et pas sur le côté, ce qui fait que quand on va le placer comme ça, eh bien malheureusement ça va être étouffé. Et ici, alors, je ne sais pas si on va bien le voir, on a la mention CE 0682, un warning, ne pas jeter à la poubelle, modèle H60L0K, donc c'est le modèle européen, made in China, powered by Huawei. Donc c'est bien eux qui font le mobile, bien évidemment. Donc voilà, alors pour moi je trouve que c'est plutôt sympa. Alors faire un peu de nettoyage, je trouve que c'est un design plutôt sympa. Alors pour moi c'est assez quelconque, hein. On se retrouve en mélange entre un Xperia Z, alors je vais essayer de mettre un peu plus d'angle, un Xperia Z et un iPhone, puisqu'on se retrouve avec quelque chose de très très classique, très banal,
Ça, on va dire que ça ne... À part justement cette arrêt de bande, ici on se retrouve juste avec la bande plastique. On se retrouve avec quelque chose de très banal en main au final. Donc c'est un peu dommage au final, ça se démarque pas vraiment, à part justement comme j'ai dit ici. Il n'y a même pas de signe de distinction. Vous voyez ici, c'est tout noir. On ne sait même pas à quel mobile on a affaire. Et même le fait qu'il y ait Honor juste comme ça aurait pu faire la différence. Donc c'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, c'est du full plastique, hein. Ici c'est du plexi, bien évidemment. C'est pas du verre, ce serait un peu trop fragile. Apple s'y étant essayé, et ça n'a pas été une bonne idée. Et c'est un peu dommage aussi pour cette partie-là. Il aurait été un peu plus intéressant, en gardant le côté plastique, de mettre par exemple ici, parce qu'en fait. Donc là, c'est du simili métal, on va dire, en termes de visuel, mais au toucher, on sent vraiment que c'est du plastique. Il aurait été intéressant d'avoir un espèce comme de l'aluminium brossé, comme par exemple sur l'LG G3, qui aurait permis déjà d'avoir un aspect plus premium. Ça aurait donné un meilleur rendu, ainsi que d'ajouter un côté soft touch à la partie plastique, qui aurait déjà permis un meilleur grip autour, parce que même ça reste. Petit ici, on a bien ce plastique-là, et ça aurait donné aussi un meilleur rendu, un peu plus premium. Donc c'est un petit peu là-dessus que j'aurais à dire des choses. Et bien sûr aussi, comme je l'ai dit, donc le haut-parleur qui est un peu mal placé, et ce qui fait que j'en reparlerai au son. Mais voilà, si comme c'est vraiment tout plat, bah, le son serait étouffé. Après, il est plutôt fin, il fait 7,5 mm, donc c'est vraiment un mobile fin sans trop l'être, parce qu'il faut savoir que c'est bien d'avoir un mobile hyper fin, mais au bout d'un moment, c'est un peu désagréable quand c'est trop fin, c'est vraiment pas agréable. Par exemple, l'iPhone 6, moi je trouve que c'est trop fin, c'est avec comme c'est arrondi en plus, ça fait encore plus fin sur les bords, c'est pas agréable. Là, c'est bien, c'est fin, mais pas trop, c'est juste ce qu'il faut pour moi. Et le plus grand avantage qui devrait surtout plaire aux femmes d'ailleurs, c'est le côté léger. Il est vraiment très léger, il fait 140 grammes. Ce qui fait que même pour moi, limite, c'est trop léger. Et par exemple, dès qu'il y a un coup de vent, etc., on a peur qu'il s'envole. C'est peut-être très con comme truc, mais il est tellement léger que il est trop léger en fait. Et bah autant ce qui est bien, c'est que ça va permettre de l'utiliser toute la journée sans problème, sans avoir de problème justement du poids qui va être vraiment au bout d'un moment très très lourd. Mais voilà, en contrepartie, on aura l'impression que c'est vraiment le truc qui va s'envoler au moindre coup de vent. Donc à vous de voir si vous préférez un mobile plus lourd parce que vous aurez l'impression que ce sera plus robuste ou pas. Alors c'est aussi peut-être pour ça que d'ailleurs que le plastique a été choisi, puisque le plastique c'est une matière pardon, très légère et qui donc permet de réduire au maximum le poids. On va passer maintenant à la surcouche. Donc la surcouche de Honor, c'est EMUI 3.0. Donc il faut savoir que j'avais fait le test en EMUI 2.3 à l'époque, quand je l'avais reçu. Une surcouche qui faisait vieillotte en termes de design. Et on va maintenant voir un petit peu ce qui a changé entre 2.3 et 3.0. On se retrouve toujours par contre entre les deux avec la version d'Android 4.4.2. Il faut savoir que donc une mise à jour est prévue sous 5.0, mais pas de date de prévue encore. Et pour l'instant, on a surtout en fait besoin de retour sur le mobile pour régler les bugs et améliorer si possible l'expérience utilisateur pour 5.0. Vous pouvez voir ici que la résolution est en 720 x 1280. C'est normal, j'y reviendrai après. C'est le mode d'économie d'énergie qu'ils ont mis en place. Et donc j'y reviendrai un petit peu après dans tout ça. Donc, alors quelle est la plus grosse chose qui a été modifiée sur EMUI 3.0? Bien justement, c'est le design. Hein. Comme je l'ai dit, avec EMUI 2.3, c'était vraiment plus à l'ordre du jour. Et donc Honor a décidé de réagir en mettant vraiment à jour la couche. Il faut savoir une chose, c'est que l'application thème maintenant, pour commencer, parce que c'est le design qui importe, est presque au point, j'ai envie de dire. Puisque là par exemple c'est un peu bizarre, mais l'application thème est normalement accessible en ligne. Donc normalement vous avez vu que M9, c'est peut-être parce que j'ai plus ma carte de SIM dedans, mais pour pouvoir activer l'application thème, il faut que
Vous me dites qu'il est possible d'accéder à l'IMEI pour pouvoir se connecter au store. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas connecté, ça me semble quand même bizarre, parce que j'ai pu vous voyez que j'ai pu prendre des thèmes. Il est possible de les chercher sur Internet, mais normalement il est possible d'aller les chercher en ligne. Donc c'est quelque chose qui j'espère sera réglé, puisqu'au départ, pour moi, je pensais que l'application thème n'était pas reliée au serveur de chez Honor, et apparemment si, enfin si c'est le cas. Mais vu que j'ai plus ma SIM, ça doit être peut-être pour ça, mais là j'ai plus accès. Donc c'est quelque chose qui est encore perfectible. J'espère que ce sera réglé avec 5.0 ou de futurs correctifs avant, pour justement régler ce petit problème, puisque c'est quelque chose qui est intéressant en termes de thème. J'allais oublier quelque chose. Il faut savoir que sur 2.3, au niveau des thèmes, on avait une modification de l'interface qui était très pauvre. Là maintenant, on se retrouve avec une modification d'interface plus riche, qui est donc équivalente, voire même un peu plus à la limite que son concurrent. Donc on va pouvoir avoir toute une refonte de l'interface, comme vous pouvez voir, peut-être à part la partie notification. Mais sinon, tout peut être changé, comme vous pouvez voir. J'ai trouvé un thème où on peut vraiment tout changer. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va continuer avec les notifications. Donc, notifications qui ont été complètement refaites. C'est peut-être la chose qui a été la plus refaite, la plus modifiée, puisqu'elle ne correspond même pas au standard du genre. En effet, ce qu'ils ont changé surtout, c'est la position de la date. Ils ont essayé de faire un espèce de fil chronologique. Puisque d'habitude, en fait, quand on a une notification, c'est marqué ici, sur le côté droit. Ici, ils ont décidé de le marquer à gauche. Et donc, on se retrouve avec donc minuit 1, capture réussie, on peut partager. Et tout en bas, on va se retrouver avec la poubelle ici. Donc, d'habitude, on s'y retrouve avec, hop, ici, normalement, on devrait pouvoir tout supprimer. Ils ont décidé de le modifier, de le mettre en bas de la file chronologique. Côté raccourci, ce sera quelque chose qui est encore amélioré pour moi. Puisque donc on peut y voir tous les toggles qui sont activés, mais alors il y a un espace qui n'est quasiment pas utilisé. Il faut savoir que quand on lance de la musique, enfin quand on branche des écouteurs, il y aura des petits raccourcis qui seront mis, mais au-delà de ça, on pourrait quasiment tout afficher. Puisqu'en effet, je vois pas vraiment l'intérêt. On aurait juste à réduire la barre de luminosité. On devrait pouvoir avoir tout sur une seule page. Donc c'est quelque chose qui, je trouve, qui est un peu dommage, puisqu'au final on se limite pour pas grand-chose. Voilà. Au-delà de ça, dernière petite chose qui je trouve un petit peu dommage là-dessus, c'est que justement, pour descendre le volet de notification, il faut descendre du côté gauche. Et pour descendre le volet de raccourci, il faut redescendre du côté droit. Il n'y a pas de priorité s'il y a des nouvelles notifications. Ce qui fait que quand vous l'utilisez d'une main, et ben vous tomberez forcément sur le raccourci. Sauf si vous êtes comme ça. Mais pour ceux qui le tiennent comme ça, bah c'est un petit peu limite. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cette notion de priorité s'il y a des notifications, d'afficher les notifications premiers. Quelque chose qui, je l'espère, sera réglé plus tard. On va continuer. Alors on va continuer avec l'application musique, par exemple. Donc application musique qui est aussi totalement refondue. Alors vous vous souvenez qu'il y avait des problèmes d'ergonomie pour moi. Donc ils ont décidé de simplifier cette partie-là, ce qui fait qu'on aura quelque chose de bien meilleur qu'avant, ce qui fait que par exemple, donc là on se retrouve avec quelque chose déjà de beaucoup plus beau à regarder, ce qui est déjà bien, qui est en plus en accord avec le reste du design. Mais en plus de ça, cette fois-ci, maintenant, on a droit de retrouver justement la liste en cours juste en allant vers la gauche. Alors vous vous souvenez, en 2.3, c'était un peu plus compliqué, on aura même droit aux paroles. On a toujours droit d'ailleurs au DTS. Et la possibilité de caster l'écran en direct comme ça. On peut même ajouter aux favoris et voir ajouter à une playlist tout simplement. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir directement affiché ces options-là, c'est-à-dire repeat ou aléatoire et définir comme sonnerie, etc. Ça aurait pu rester de base. Dernière chose à savoir, c'est qu'on peut régler directement. Alors, c'est la première chose qui est affichée, c'est de pouvoir régler le volume ici, qui remplace. En fait, on a juste appuyé pour remplacer tout simplement par rapport au défilement de la musique. Après, je trouve ça peut-être
un superflu. C'est peut-être pas forcément ergonomique de d'avoir ça, puisqu'on aurait tendance à le confondre avec le lecteur. Et puis comme c'est le premier truc qui s'affiche, eh bien on ne sait pas forcément où on est à la musique, si on a envie de changer ou si on attend une partition particulière par exemple. À voir, peut-être que ça pourrait être changé. Ensuite, on peut montrer aussi beaucoup de choses. On peut montrer bien sûr les SMS. Donc toujours dans le même principe de la chronologie. On peut voir qu'on a quelque chose de plutôt sympa. On peut voir qu'on peut maintenant défiler le contact pour afficher le contact, liste noire, appeler, voir le numéro, des choses comme ça. On a les contacts ici, donc ça plutôt classique. Le clavier. Côté galerie, on se retrouvera toujours encore avec vraiment cette notion. Ils ont vraiment décidé de vouloir mettre ça en avant, la chronologie. Donc on peut voir que le 16-2, donc j'ai fait quelques photos et on peut voir la date ici. Ce qui fait que si je fais une photo ici, hop, on va prendre une petite photo. Et bien on peut voir que là, cette fois-ci, ça affiche les photos du 16-02 au 18-02. Donc ça englobe. Donc on peut voir en fait, et à mon avis, quand on a beaucoup de photos, on doit pouvoir défiler. Ça va montrer de telle date à telle date. Et si on va vers le haut, eh bien on peut prendre une photo un peu à l'arrache. Donc quelque chose de plutôt sympa et ça s'affiche directement dans la galerie. On peut aussi l'afficher de façon classique avec par album ou par date. Vous pouvez choisir. On peut faire une diapo et bien sûr on peut changer, afficher l'heure, afficher l'emplacement. Et qualité de sauvegarde, donc on peut choisir la qualité de sauvegarde meilleure, bonne ou normale. Donc bien sûr pour ceux qui veulent des très belles photos, prenez la meilleure. Le lecteur vidéo, lui, par contre, n'a pas trop changé. Au final, on ne retrouve pas cette chronologie. On se retrouve juste avec les vidéos qui sont affichées et rien d'autre. Donc là, on peut voir que je fais n'importe quoi. Donc après, on a juste un refresh pour voir les nouvelles vidéos qui ont été ajoutées et pouvoir partager, supprimer ou autre. Le gestionnaire de fichiers, donc on se retrouve encore avec donc cette partie où justement on va pouvoir voir combien il y a de morceaux de musique, de vidéos, d'images, de documents, d'archives, etc. Donc ça c'est quelque chose de plutôt pratique qui simplifie, on va dire, la recherche, et on peut voir combien de pourcents du téléphone sont utilisés. En local, on se retrouvera avec quelque chose de sympa. Donc, on a un coffre-fort où on va pouvoir crypter tout ce que l'on veut, une petite nouveauté, afin de protéger un peu ces données. Vous avez le téléphone classique, enfin le gestionnaire classique, ensuite juste un redesigning. Et malheureusement, il n'y a toujours pas ce côté multisélection qui manque, malgré quelque chose de plus complet. On se retrouvera toujours avec les classiques du genre, donc la météo, donc autorisée. Donc qui sera exactement la même chose que ce qu'on avait avant, avec ce côté un peu. Voilà. On a toujours la loupe, le miroir, la lampe torche, classique, calculatrice, on va pouvoir montrer un petit peu avec toujours ce côté un peu changé côté design. Bloc-notes, cette fois-ci, qui est devenu tout blanc. Voilà. Donc toujours avec ce côté justement, comme on peut le voir ici. Chronologique, donc là je l'ai fait à minuit 9, il est tard. Donc on a enregistrement audio, radio FM, sauvegarde, mise à jour EMUI, donc classique, et là on est en B370. Si je fais une vérification, on peut voir ça, il n'y a pas de nouvelle mise à jour. On se retrouvera encore avec Kingsoft Office Highlight qui va permettre de mettre en avant les jeux gratuits et les applications aussi. Donc voilà, petite chose comme ça, pas forcément très intéressant, mais c'est toujours bien que ce soit là. Ça peut en intéresser un certain. Bitkasa, qui lui bien sûr est en gros un cloud hein, pour mettre tout ce que vous voulez, qui n'est pas forcément très très performant, donc pas forcément très intéressant face au classique du genre. On pourra continuer avec l'agenda, du classique, juste. À la sauce EMUI en termes de design, iCare qui va vous permettre de vous aider si vous avez un problème via des forums ou via des appels. Donc ça c'est plutôt pratique aussi, c'est quelque chose qui est plutôt rare. L'horloge, alors là, donc là on se retrouve avec donc un design toujours à la EMUI 3.0. Tout a été vraiment redesigné,
mais on pourra résumer simplement qu'il n'y a pas eu vraiment de nouveautés. C'est pas ça que je voulais montrer, mais voilà, c'est ça. On se retrouvera toujours avec le gestionnaire de téléphone qui va permettre d'accélérer. Donc, quand ils disent accélérer, ça va être en gros de virer tout ce qui est en cache, etc. Donc, si ça va permettre de faire globalement, virer tout ce qui est en cache, les résidus de fichiers à supprimer, tout ça. Vous avez un filtre anti-harcèlement qui va vous permettre de bloquer des appels qui sont incessants ou des SMS incessants. Économie d'énergie qui va vous permettre de vérifier où vous en êtes. Si donc déjà combien d'heures ils estiment que vous allez rester encore avec de la batterie, donc ensuite de permettre de choisir soit en intelligent, donc la version classique normale qui va permettre d'avoir d'être moins bridé, on va dire, surtout pour les jeux, et ultra pour les bases d'appels qu'on va montrer après. Gestion de trafic, quelque chose qui n'a pas changé. Alors là, comme j'ai pas de carte SIM, je peux pas vous montrer forcément, mais en gros, ça va permettre de choisir si vous voulez qu'une application ait accès Wi-Fi ou non, ou à la data ou non. Gestionnaire de notification. Donc là, on va pouvoir choisir si on veut notifier ou non les applications. Donc on peut permettre d'autoriser, notifier, etc. Ou gestionnaire de saut. Alors les zones de saut, alors à la base, sur EMU 2.3, c'était désactivé par défaut. Et aujourd'hui, c'est activé par défaut. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, pour Messenger, quand vous avez la petite bulle maintenant, vu que c'est une petite bulle, eh bien sur 2.3, il fallait savoir où chercher pour pouvoir l'activer et voir cette bulle-là. Et maintenant, c'est activé par défaut. Ne pas déranger. Le classique ne pas déranger. Ou bien sûr, vous allez pouvoir choisir un temps où les notifications, etc. sont en silencieux pour justement ne pas vous réveiller. On va faire un petit tour maintenant dans les paramètres. Donc vous avez tout ce qui est classique juste ici. Vous avez la possibilité de vous mettre en accueil simple. Alors quelque chose qui n'a pas changé depuis 2.3. On se retrouvera avec la particularité d'avoir un lanceur très très simple à utiliser pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Vous allez pouvoir ajouter des applications et toutes les applications sont en Autres ou dans Télécharger, tout simplement. On va repasser sur l'accueil standard. Hop. On va continuer. Alors là, on est dans Affichage, Alors, nous avons tout ce qui est plus classique, sauf que on a la possibilité de modifier la température de couleur. Donc, ça vous permet de choisir soit des couleurs chaudes, donc un écran qui va être plus jaune, qui en général qui va permettre de vous reposer les yeux, ou alors de passer sur des couleurs plus froides où le blanc va passer plus vers le bleu. À vous de trouver ce que vous préférez et de chercher ce qui est le plus blanc possible. Il peut y avoir donc, je peux pas vraiment dire de choses précises puisque d'un écran à l'autre, il peut y avoir certaines différences qui fait que pour certains ce sera plus là et pour d'autres ce sera plus là. Ou sinon vous laissez par défaut et vous prenez pas la tête. Au niveau du son, on va se retrouver avec toujours la même chose, avec le mode DTS en supplémentaire. Donc mode DTS qui était déjà présent, qui va permettre d'améliorer le son, d'avoir un son plus riche, plus profond, des plus grosses basses, etc. Malheureusement, on n'aura pas d'égaliseur. Dans batterie, on va se retrouver avec des classiques. Donc ça va juste permettre en gros de voir la consommation, etc. Dans économie d'énergie, on va se retrouver donc avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les infos d'alimentation. Je vais revenir juste après à ça en parlant d'économiseur d'écran. Alors l'économiseur d'écran, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de choisir est-ce qu'on affiche l'écran de manière software, donc c'est-à-dire pas la dalle en elle-même, pas en vrai, mais de façon logicielle, afficher logiciellement l'écran en 720p ou en 1080. Ça va permettre, surtout au niveau des performances, d'avoir de meilleures performances. En gros, le processeur va moins consommer. Le processeur graphique pourra afficher plus de choses, puisqu'au final, il aura moins de pixels affichés. Des choses comme ça. Et au quotidien, on ne voit pas la différence.
Donc, pour en revenir à l'économie d'énergie, alors je vais en reparler pour l'autonomie, mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé sous MIUI 3.0, ce qui fait qu'on se retrouve, alors là, vous pouvez le voir, par exemple, Messenger qui consomme 36 mAh, donc ça parle pas beaucoup comme ça, mais il faut savoir que c'est énorme. Normalement, déjà, quand c'est rouge, c'est pas normal d'avoir une consommation aussi haute. On devrait être plus à, voilà, comme Skype, à 7 mAh, par exemple, au mieux, surtout que Messenger actuellement je n'utilise pas, ce qui est donc très bizarre, et recherche Google je n'utilise pas du tout, ce qui fait que ce n'est pas du tout normal qu'il se retrouve comme ça, et je me retrouve avec une autonomie qui est très, enfin, qui peut être jusqu'à très très faiblarde, mais j'en reparlerai au niveau de l'autonomie. C'est très important, on va dire que ça va être le point noir un peu de ce téléphone, enfin de la mise à jour, on va dire. Donc, gestionnaire de notification, etc., on l'a déjà vu. Appli protégée, on l'a vu aussi. Sécurité, ça vous permet, bien sûr, donc classique, hein, sur tous les Android, de crypter vos données, par exemple. Appli en réseau, donc là, voilà, là, ça me l'affiche. Ça va permettre donc de choisir, comme je l'ai dit, est-ce que vous voulez que l'application puisse accéder au Wi-Fi ou aux données mobiles ou les refuser complètement. Donc ça va permettre, par exemple, si vous avez une application qui consomme trop ou vous voulez qu'elle reste hors ligne, eh bien vous avez juste appuyé là-dessus et elle n'aura plus possibilité de se connecter. Ensuite, vous allez pouvoir donc choisir les modifications que vous allez faire sur les applications SMS, appel, email du téléphone. Voilà, toucher plus, je vous en ai parlé juste avant. On a le contrôle de mouvement, donc retourner pour couper le son, décrocher, soulever, secouer ou incliner, donc des petites choses classiques qu'on retrouve maintenant à peu près partout dans les milieux de gamme, haut de gamme. Ça, je viens de le montrer, je suis revenu au même truc. On a la barre de navigation, donc modification depuis 2.3, c'est ça, et quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc, on va pouvoir choisir si on activer si on veut cacher la barre, et donc on fait comme ça pour la relever. Et vous avez le choix, alors soit vous prenez de base, et donc vous allez afficher retour à gauche et multitâche à droite, ou alors comme moi, retour à droite et multitâche à gauche. Possibilité de pouvoir avoir un bouton qui va permettre de descendre la barre de notification. Donc quelque chose, si vous avez justement la flemme d'aller jusqu'en haut, et bien vous avez un bouton qui est dédié à ça. Plutôt intéressant. Et bien sûr d'inverser les touches. Donc on va laisser comme ça. On a quelques petites choses supplémentaires. On a une interface à une main. Donc ça va permettre en gros de réduire, comme vous voyez ici. C'est un peu le principe en fait. Hein, c'est vraiment d'avoir quelque chose de vraiment à portée de doigt si vous avez des petites mains, etc. Donc on va se retrouver ça sur quelques petites applications. Donc par exemple la numérotation en appel et des petites choses comme ça. Menu flottant, donc menu flottant, c'est quelque chose qui était déjà connu sous 2.3 et ça va permettre donc d'avoir les boutons retour, home, multitâche, verrouillé ou encore enlever toutes les tâches qu'il y a actuellement en cours, donc voilà, et un mode gant pour pouvoir utiliser ses gants, utiliser le téléphone avec des gants. Vous avez étui intelligent qui lui est en fait est relié par rapport à la flip cover. Donc d'ailleurs je mettrai en bonus la flip cover puisque je l'ai. Donc qu'est-ce que je pense de la petite flip cover officielle de chez Honor. Et donc ça va permettre d'afficher l'heure et de déverrouiller dès que vous allez ouvrir la flip cover. Donc ça c'est plutôt sympa. Pour finir, est-ce qu'on a tout? Oui, on a tout montré. Après, voilà, donc il n'y a pas de réelle nouveauté. Juste l'appareil photo, il y a quelques petites nouveautés logicielles. Donc là, on a vraiment une refonte complète de l'interface. Donc ici, on va pouvoir avoir des petites nouveautés. En termes de photos, on va avoir la mise au point universelle, meilleure photo. On a quelques petites choses supplémentaires. On est toujours... Hop. Avec du 13 mégapixels, voilà. On a un contrôle audio, des petites choses comme ça. Donc, on a peut-être une petite chose supplémentaire. Mais rien de transcendant, de nouveau. On a un moyen d'embellir la photo. Donc, un mode embellissement. Donc, en gros, beauté visage, des trucs comme ça. Qui va vous permettre de lisser, en gros, les contours, les photos, enlever les rides, tout ça. Pour être magnifique, comme dans les couvertures de magazines photoshopées à mort.
Donc après, puis voilà, petite vidéo, ça j'en reparlerai pour la caméra, pour la qualité, etc. Dernière petite chose, c'est le multitâche qui a changé sur le Honor 6, et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a habituellement. En effet, au lieu d'avoir tout en ligne ou aligné comme ça, on va se retrouver avec quatre parties. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas trop quelle est l'une des dernières applis utilisées. On n'a pas réellement de, comment dire, de lien. Mais on peut voir donc l'application qu'on a en cours, puisque l'application multitâche prend le pas. Ce qui fait que c'est un peu différent déjà, puisqu'on se retrouve avec donc toutes les applications affichées, même la dernière qu'on vient d'ouvrir. Et donc pour les bloquer, on va vers le bas, ce qui fait qu'il ne sera jamais fermé. Et pour les enlever, vous allez vers le haut. Vous pouvez voir les autres applications qui sont ouvertes en allant de gauche à droite. Pour les virer, vous pouvez faire carrément comme ça, c'est-à-dire aller tout en bas et lever vers le haut et ça va tout effacer. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran de 5 pouces avec une résolution Full HD, donc 1080 x 1920 pixels. Donc, bien sûr, un classique aujourd'hui côté résolution. Surtout donc pour 300 euros, on aura un écran de type JDI, Japan Display Industries, ce qui va permettre une consommation moindre de l'écran pour donc avoir une économie d'énergie tout en ayant des performances d'écran correctes. Donc, ce qui fait qu'on a des bonnes couleurs, un contraste plutôt correct, ça manque un petit peu, mais ça pourrait être un peu mieux, mais ça reste correct. Des angles de vue qui sont corrects, mais qui sont moins bien que des IPS classiques haut de gamme, on va dire, dû au côté JDI, un petit peu modifié. On aura la possibilité, comme je l'ai dit, dans la surcouche, de passer logiciellement à du 720p. Donc l'écran reste en 1080 en lui-même, mais c'est 720p qui s'est affiché. On ne verra pas la différence, mais ce sera toujours aussi fin, c'est ça que je veux dire. Donc ce sera très bien. Et on aura la possibilité de pouvoir modifier la température de couleur. Donc, soit choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de rendre l'écran plus jaune, on va dire, hein, avec des couleurs plus chaudes globalement, ou des températures plus froides avec un bleu qui va être plus présent par exemple. À vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez quelque chose de plus chaud ou de plus froid, ou un mélange des deux, un bon milieu. Pas grand chose à redire, après on a vraiment quelque chose de fluide, une rémanence correcte, pas de soucis particuliers par rapport à cet écran. C'est un bon écran qui donnera une bonne impression. On a une luminosité maximale qui est très bonne, ce qui va permettre d'utiliser au soleil de façon correcte. On va pas être trop gêné par le soleil et au minimum. Hop, voilà. Donc au minimum, on sera sur une dalle IPS classique, enfin LTPS exactement, classique, ce qui fait que on se retrouvera donc avec une luminosité minimum qui sera trop haute quand on sera en soirée, donc par exemple dans son lit en plein noir, ce sera un peu trop haut. Mais sinon, ça reste de la bonne qualité, on se retrouvera avec un bon écran. Côté son, on se retrouvera avec du DTS qui est inclus. Donc dans le smartphone de chez Honor, DTS qui est donc une technologie de chez DTS qui va permettre d'améliorer le son de façon globale en passant d'un son plutôt plat à un son plutôt riche avec des basses plutôt puissantes, etc. On aura une petite dominance sur les basses mais on aura un bon rendu. Le souci qu'on aura à déplorer ce serait plus sur le côté égaliseur puisqu'il est manquant et ce qui va permettre. Qui va justement ne pas permettre de modifier justement les fréquences pour justement assainir le rendu, avoir quelque chose de plus neutre ou de pouvoir justement mettre plus de basses ou plus d'aigus, etc. selon le type de musique que l'on utilise. À part ça, sinon nous avons donc un rendu plutôt très correct. On aura juste l'impression qu'il manquera quelques petites parties du spectre. On aura l'impression que tout le son n'est pas présent, comme s'il manquait des petites choses, ce qui fait qu'on n'a pas un son qui est extrêmement précis, mais qui est quand même de très bonne qualité. Mais juste, voilà, pour les plus pointilleux, on sentira qu'il y a un petit manque de certains sons, un petit manque de clarté.
Côté appareil photo, donc nous aurons un appareil photo qui est plutôt correct, donc de 13 mégapixels, qui va permettre d'avoir des photos de bonne qualité sans être exceptionnel. Il sera bon pour sa gamme de prix sans dépasser ses concurrents une seule fois. Quelque chose de plutôt correct avec des modes classiques, panoramique, HDR, note audio, meilleure photo, mise au point universelle ou filigrane. Vous aurez la possibilité aussi de mettre en vidéo des petits filtres ou en photo, donc original, un peu comme si vous étiez sur Instagram par exemple. Donc qui devrait permettre à tous les petits photographes qui aiment bien se prendre en photo de façon différente de se faire plaisir avec des petites des petits modes, comme par exemple si je mets en halo par exemple nostalgie ou je mets mono vintage par exemple. On peut même voir le mode qui est actif pendant la prise de la photo. Vous aurez aussi un mode embellir qui va permettre d'améliorer les contours d'une photo. Donc pour ceux qui sont du style à ne pas aimer les rides et d'essayer de retrouver l'expérience Photoshop, on va dire, eh bien vous pourrez utiliser ça. L'appareil photo en lui-même est plutôt correct et puis l'appareil photo arrière est de bonne qualité par contre, ce qui fait que ça va être plutôt sympa. Et nous avons même ici, pendant qu'on prend la photo, vous aurez une petite photo qui mettra en avant et voir si la photo, si vous faites un bon sourire ou pas. D'ailleurs, bonjour tout le monde, hein. Donc voilà, je suis en vintage et tout, c'est super classe. Et ce qui fait qu'en plus de ça, on a un très bon angle. Et donc pour faire des selfies avec beaucoup de personnes, et bien comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de place au final, hein. Ce qui fait que je peux avoir pas mal de personnes autour de moi, ce qui fait que par rapport à d'autres appareils photo où on voit justement moins de monde, et bien ça peut être quelque chose d'intéressant pour ceux qui aiment bien aller en soirée, etc. Au niveau du flash, on aura un flash plutôt blanc, plutôt correct, plutôt puissant. Sur le Honor 6 blanc, c'est quelque chose que j'avais vu. Sur le Honor 6 blanc, ça avait tendance à parfois brûler quelques photos, mais vraiment les brûler de façon étrange, hein, comme si je vais le retrouver, je vais retrouver la photo où ça faisait ça justement. On se retrouvait avec une photo de ce style-là. Donc carrément là c'était vraiment impressionnant. Où justement le flash prenait vraiment une part de la photo et brûlait complètement la photo. Voilà. Alors ça m'est arrivé un tout petit sur une des photos pour le Honor 6. Donc là c'est plus sur la carte SD qui est. La carte SD est ailleurs. Mais j'ai eu un petit truc comme ça, très discret. Mais ça existe encore et c'est quelque chose de logiciel apparemment. Donc c'est quelque chose qui devrait se régler avec les prochaines mises à jour. C'est de l'impression que j'ai, c'est quelque chose qui a déjà commencé à être réglé. Mais c'est toujours un petit peu présent. Côté autonomie, alors avec EMI 3.0, c'est une déception malheureusement. Du moins de mon côté, je sais que c'est pas le cas de tous et certains me disent que je fais n'importe quoi ou je ne sais quoi. Alors que ce n'est pas le cas. J'ai une utilisation tout à fait classique de mon téléphone. Je fais comme si c'était le mien en fait. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une autonomie vraiment très moyenne. Aujourd'hui, là j'ai fait 4h30 alors que je suis. Vous voyez, donc ici j'ai rechargé un peu parce que j'ai continué le test. Mais 4 heures, ça fait pas beaucoup et c'est assez bizarre au final, puisque. Que je vous explique. En fait, il faut savoir que. Si je vais dans Galerie. Voilà, donc ça c'est les captures. Il faut savoir que actuellement je suis en relation avec Honor, le SAV Honor, parce que j'ai un gros problème d'autonomie. Je l'avais déjà sur mon Honor 6 blanc, et c'est une des raisons qui fait que j'ai ce Honor 6 noir, parce que j'avais des soucis d'autonomie. Et je voulais vérifier avec un autre, donc ils m'ont proposé un Honor. J'ai pris au passage le noir, comme vous pouvez le voir. Et ben il y a un gros gros problème. Alors que je vous montre quelques captures assez récentes, il faut savoir que par exemple pendant une nuit, j'ai laissé tourner 10 heures pour voir ce qui se passait. On se retrouve avec 10 heures qui a plus de 40 mAh de consommation. C'est absolument énorme. Il faut savoir que, vous voyez, recherche Google est à 8 mAh et normalement à 10, ça commence à être un peu trop. Même déjà 8 pour recherche Google qui n'est pas utilisé, c'est pas normal. Alors, on avait pensé que c'était Respawn Reader qui était le facteur qui faisait que ça faisait tout planter.
Et je l'ai désinstallé entre-temps, justement un peu avant de faire mes tests. Donc il a mis un peu plus de temps que prévu à sortir. Et au final, je me retrouve toujours avec par exemple Messenger qui consomme énormément, recherche Google qui consomme alors que je ne l'utilise pas, musique aussi qui arrive aussi à énormément consommer. J'ai eu Clash of Clans aussi qui a décidé de bugger complètement. Ici, on peut voir que là, il est tout le temps en activité. Donc ça, c'était par rapport à Deezer notamment, alors que je l'ai pas utilisé. On a vraiment des très gros problèmes. On peut voir tout ce qu'il y a. Ça, en gros, c'est les alertes à chaque fois que ça consomme trop. J'ai même eu Kingsoft Office. Kingsoft Office, je l'ai dû l'ouvrir une fois juste comme ça. Stockage multimédia, téléchargement, c'est impressionnant le nombre d'alertes que j'ai. Et vous voyez, par exemple, j'ai ça et ça. Pourquoi? Et c'est vraiment un gros souci. Il y a une journée, donc vous voyez ce qu'il y a là. C'est une journée où j'ai fait. Je suis resté 4 heures sur batterie. J'étais à 100%. J'ai fait 2h20. Donc c'est vraiment, voilà, là on peut voir, hein, pour ceux qui sont sceptiques à se dire 4 heures, etc. On peut voir ici l'activité. Donc je vais zoomer un peu, hop, l'activité par rapport à l'écran activé. Et il est tout le temps en activité et c'est incompréhensible de comprendre pourquoi il bug à ce point-là, quoi. Le fait d'avoir tout ça qui est en surconsommation, plus de 40 mAh, c'est de la surconsommation, eh bien je pense que c'est un problème de driver. Et ce qui fait que je me retrouve avec une autonomie qui se retrouve entre 4 et 5 heures écran allumé, pas plus. Il faut savoir que sur le Honor 6, en ayant switché entre le mode 720p, mode 1080, mode 720, mode 1080, au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir une autonomie qui était ce que j'attendais, c'est-à-dire, normalement, on devrait atteindre les 7 à 8 heures écran allumé. Certains y arrivent. Mais moi, vous voyez, donc là, j'avais fini de télécharger, il y avait Real Racing, c'était, je sais plus ce qui était téléchargé, mais. En tout cas, vous voyez, téléchargement à plus de 40 mAh, Google Play Store à plus de 40 mAh, recherche Google, on ne sait pas pourquoi, plus de 40 mAh, Messenger plus 40 mAh, Facebook plus 40 mAh, tout est à fond. C'est des exemples. Je suis juste allé sur la page Facebook pour une autre vidéo que vous découvrirez. Et bah, ça a décidé de consommer à mort partout. Et c'est pas normal. Et c'est quelque chose que j'espère que ça va se régler, parce que c'est très problématique. Au final, on ne peut pas vraiment profiter des 3100 mAh, et c'est pas normal, quoi. Donc actuellement, bah, Honor planche là-dessus, parce que c'est quelque chose qui a été un petit peu remonté, parce que malgré cette surconsommation, on arrive quand même à avoir, voilà, 4 à 5 heures d'autonomie, et pour la plupart des personnes, ça convient. C'est une autonomie, on est dans la moyenne. Mais normalement, on est censé faire quasiment deux fois plus. Donc pour moi, c'est très très problématique pour la suite des choses. Parce que c'est là où il faudrait exceller. Et malheureusement, bah, il peut pas. On a 3100 mAh qui sont très mal utilisés. Et on se retrouve avec une surconsommation absolument aberrante des applications. Alors d'où ça vient, c'est vraiment la question qui se pose, puisque en MIUI 3.0, 2.3, pardon, on avait une autonomie qui était un petit peu supérieure à ça, qui était correcte, qui aurait pu être mieux, mais qui était à peu près ce qu'on attendait, hein, un petit peu en dessous. Mais là, avec 3.0, ça a complètement dégringolé. Et c'est incompréhensible d'avoir des surconsommations d'applications comme ça, dont c'est où. Donc, bah, j'espère que bah, Honor va beaucoup cravacher dessus, parce que ça peut être problématique. Hein. Comme vous avez vu, en 2 heures, j'ai réussi à niquer une batterie de 3100 mAh. C'est quand même énorme comme consommation. Et ça peut être problématique pour certaines personnes. Leur téléphone, c'est aussi leur vie, c'est aussi le côté pro. Et si jamais ils se retrouvent en rade de batterie, ce serait con, quoi. Donc j'espère réellement qu'il va y avoir du travail là-dessus, parce que voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir des surconsommations comme ça, surtout que voilà, on a quelque chose qui les met vraiment en avant, ces trucs-là, donc on peut les arrêter. Mais pour moi, normalement, je ne suis pas censé devoir intervenir sur ce genre d'application, sauf cas exceptionnel d'une application qui décidait de bugger. Mais là, on est sur des applications complètement classiques, quoi. Recherche Google, c'est un truc implanté de base, et sur mes autres téléphones, j'ai pas de soucis. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a
un tel problème avec des applications aussi basiques. Et surtout, et même avec des applications de base, du téléphone, comme Musique, c'est l'application de chez Honor. Donc, bah, il n'y a plus qu'à attendre un correctif qui, j'espère, arrivera rapidement, ou la version Lollipop qui réglera ce problème, qui est sûrement d'ordre, enfin, qui est d'ordre software, hein, bien évidemment, et d'ordre de driver, je pense, de gestion, de petite gestion à la con. Donc, voilà. Donc voilà une grosse partie sur l'autonomie, mais c'est très important parce que c'est vraiment un comportement très particulier que j'ai jamais vu nulle part, sauf sur l'Honor 6. Même sur l'Honor 3C, j'ai pas eu autant de soucis, enfin j'ai pas eu de soucis côté autonomie. Là, j'ai des alertes vraiment bizarres, quoi. 10 heures qui consomment à mort comme ça, c'est pas normal. Donc bah voilà, juste attention pour ça. Donc on se retrouve maintenant sur les benchmarks. On va montrer un petit peu quelles sont les performances du téléphone. Donc on est en 4.4.2, comme je l'ai dit. On se retrouve avec un modèle de CPU 8 cores. Donc c'est un octa-core, c'est-à-dire 4 cœurs A15 et 4 cœurs A7. Donc A15, Cortex A15 et Cortex A7. Donc c'est du big point little qui va permettre en gros de choisir selon la façon, enfin les tâches et tout, ça va choisir quel core va fonctionner. Donc les 4 cœurs A15 seront sur les gros jeux, les grosses applications, etc. Les 4 cœurs A7 pour les petites choses, les launchers, etc. Donc le processeur, c'est un processeur de la marque Huawei. C'est du Kirin 920. Donc c'est le haut de gamme de la marque. Il y a le 925 qui est donc avec une version lecteur d'empreintes et 928 une version turbo. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec la version 920, donc l'autre gamme actuelle de la marque, quelque chose qui va être remplacé bientôt avec les Cortex A57 et A53. On se retrouve en termes de GPU avec un ARM Mali T624 MP4. Donc là on est plus sur du milieu de gamme aujourd'hui, enfin un bon milieu de gamme. Hein. On se retrouve avec l'équivalent, pour ceux à qui ça parle, du Adreno 320. La résolution, j'ai fait le test en 1280 x 720, on verra des scores un peu plus haut que 600 1080p, ce qui est normal. On se retrouve avec 3 Go de RAM et 16 Go de ROM pour les tests. Donc les types de cœurs sont 32 bits. On peut voir que ça va de 806 à 1700 MHz, on a à peu près tout ici. Donc au niveau du test, on a fait 45 561. Donc quand vous me connaissez, je trouve pas ça très très fiable. Donc on va comparer. Donc par exemple, quand on peut voir le OnePlus One, vous pouvez voir quelques scores et on peut voir un petit peu que au niveau par exemple des scores graphiques, on est sur quelque chose qui est un peu trop haut pour ce qu'on a comme GPU. On y reviendra un petit peu plus tard. On se retrouve sur Geekbench. Alors cette fois-ci, donc nous avons, pour rappel, donc un processeur octa-core, 4 cœurs A15 et 4 cœurs A7. Donc là, ce qui va être montré sur Geekbench, c'est les 4 cœurs A15. Donc en single core, nous avons du 853 et un multi-core du 3060, ce qui est très bon, ce qui fait partie vraiment du haut de gamme. Donc on peut voir que en équivalent, on est équivalent à un Nexus 5 en termes de single core. Et en multicore, par contre, on est meilleur que le reste. Donc, on est meilleur qu'un Snap 801. Hein. Donc, malheureusement, on n'a pas vraiment d'équivalent avec, par exemple, l'Exynos 5 Octa qu'il y a sur le Galaxy Alpha. Mais on peut voir ici qu'on a la version antérieure, l'Exynos 5 Octa 5420, qui reste tout de même inférieure. Donc, on a vraiment un très très bon CPU. Il faut savoir que le Snapdragon 805 est équivalent à ce score-là, donc environ 3100 aussi. Donc c'est vraiment un très très bon score. Côté performance, côté GPU, donc nous sommes sur 3D Mark, et donc nous avons fait un score de 13 593 points, 720p. On se retrouve face aux Oppo ZP 999 avec un MT6595M qui a une puce graphique ROG GC 6200. Donc en gros, c'est du Power VR, c'est du milieu de gamme aussi. On se retrouve bien sûr avec le Mate 7, donc 13 700 points, Honor 6 Plus, qui ont bien sûr les mêmes puces. On se retrouve alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de connu un peu plus performant? Tegra 4 avec 14 000 points sur le Xiaomi Mi 3.
ZTE Nubia Z5S avec 14 000 points, qui a un Snap 600 avec un écran de 720p. ZTE Nubia Z7 Max avec un Snap 801. On va retrouver qu'est-ce qui pourrait être vraiment. Qu'est-ce qui pourrait vraiment parler. On va chercher ça. Parce qu'après, vous savez, tout dépend des drivers. Et les drivers font beaucoup de choses sur les benchmarks. Donc on va essayer de trouver. On va essayer de trouver. Là on commence à être vraiment haut. LGG3, 15 000 points. Si on va un petit peu plus bas, on devrait peut-être trouver d'autres petites choses qui pourraient être peut-être être plus intéressantes. On se retrouve face au Galaxy Tab Pro 12.2 avec l'Exynos 5 Octa. Galaxy Note 3 aussi avec l'Exynos 5 Octa. Donc voilà, on se retrouve vraiment face à du haut de gamme, sans parler de Snapdragon. Donc l'Exynos 5 Octa et tout ce qui est en Octa en général ont à peu près les mêmes performances GPU, 13 000 points, donc ça reste plutôt correct. Même si on est loin des performances du Nexus 6, par exemple avec 23 000 points, ou le S5 Plus avec 21 000 points, ou si on descend un petit peu, Xiaomi Mi Note avec 20 000 points, avec le Snap 801, Pofine 7A, etc. Donc on a un bon score, mais moins que les hauts de gamme les plus performants du genre. On se retrouve sur GFX Bench. Alors cette fois-ci, on va comparer avec le Sony Xperia Z3, muni du Snapdragon 801 avec un écran 1080p, etc. Donc on peut voir, alors j'ai fait le test aussi en 720p, on peut voir qu'en 720p, ça s'en sortira 30% meilleur que face au Z3. Mais en 1080, par contre, le Z3 reprendra l'avantage. En direct, ce sera équivalent, et en off-screen, c'est-à-dire que ça marche en 1080p par défaut, quel que soit l'écran, la résolution. Et donc on peut voir encore que le Z3 est 67% meilleur, sachant qu'en 720p, on est équivalent. Pour le reste, on va avoir des résultats qui seront en faveur du Snap 801, donc avec l'Adreno 330, avec des scores 4 fois meilleurs, 3 fois meilleurs, encore 3 fois, voire équivalent sur certains tests, mais globalement ça va être vraiment le Z3 qui va être meilleur, ce qui est un peu logique aussi puisque l'Adreno 330 est de base plus puissant. En qualité des drivers, on se retrouvera avec par contre des drivers nettement plus performants du côté du Honor avec le Mali-T 624 MP4, puisqu'on se retrouve avec donc un score de 4000 côté Honor et 2300 côté Z3. Et donc en haute précision, 4000 encore et 3500 côté Z3, ce qui fait qu'on aura comme on aura de meilleurs drivers, on aura de meilleures performances face à l'Adreno 330. On se retrouve maintenant sur Asphalt 8 pour les jeux, donc. Donc premier jeu de tous ces tests. Alors là, je suis avec la petite IPGA PG9037. Je pense que ce sera plus adapté justement pour vous montrer de façon correcte les jeux, puisque je peux maintenant zoomer pour que vous voyez bien. Donc maintenant, il faut juste que la touche marche correctement. Et donc on peut voir que le jeu est plutôt beau, hein. Donc là, en plus, on est en 720p. Quelque chose qui ne se voit pas du tout, hein. On a une bonne qualité graphique, on n'a pas de soucis particuliers, c'est fluide, tout à fait fluide. Hein. Et hop, on va essayer de démonter cette voiture, voilà. On notera que la distance d'affichage est un petit peu plus grande que sur les modèles que j'ai fait récemment, puisque la puissance graphique est meilleure, bien sûr, et en 720p, on a plus de performance, ce qui va permettre d'afficher donc plus de choses plus loin. Donc ça, c'est plutôt agréable. On a vraiment quelque chose de vraiment fluide. C'est Asphalt 8 qui est aussi très polyvalent au niveau des games. On va chercher d'autres jeux un peu plus performants, enfin qui demandent surtout plus de ressources afin de voir un petit peu ce que cela peut donner. On se retrouve sur Dead Trigger 2 et donc on va voir. Normalement, Dead Trigger 2 est un jeu qui devrait largement tourner sur ce téléphone. Et on peut voir que ça se passe très bien. On a en plus donc le jeu est au maximum en mode élevé. On peut même voir les ombres, hein, qui sont très jolies en bas. Donc pas de soucis à se faire en particulier. C'est pas là-dessus que ça va se jouer. Là, j'ai plus de grenades, tiens. Je voulais balancer une petite grenade dans le tas et je peux pas. Donc on peut voir que aucun souci, hein, le jeu est parfaitement fluide, détaillé, tout ça, donc ça c'est vraiment très très bien. On va passer à la suite.
On se retrouve sur Real Racing. Donc vous le savez, Real Racing, c'est le jeu de voiture qui est très très mal optimisé. Là-dessus, il y a besoin d'énormément de puissance pour pas grand-chose au final. Mais ça permet de voir si le jeu tourne bien dessus ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs dessus. Donc on peut voir que le jeu est beau, le fait qu'il soit en 5 pouces, on voit pas trop l'aliasing, donc ce qui fait qu'on a un jeu qui est très très beau sur du 5 pouces, c'est agréable. Il n'y a pas de ralentissement à noter, en tout cas, en plus ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'en général, surtout dans cette partie-là, premier virage, on a souvent le fait qu'il y ait toutes les voitures affichées, il y a souvent du lag, et là c'est parfaitement fluide, j'ai l'impression qu'on est en 60 FPS, donc c'est super agréable. Donc pour Rail Racing, le test est passé sans problème. On se retrouve sur World of Tanks. Donc là, on peut voir un petit peu le jeu. On est à 49 FPS ici, comme vous pouvez le voir, 49-50. Donc quelque chose de totalement classique et totalement normal pour ce GPU. Donc il n'est pas très très puissant, mais il permet de faire tourner correctement World of Tanks. On n'a pas des petits à-coups de FPS. C'est totalement fluide, donc ça c'est bien. Ça prouve que les drivers au moins... Mali sont très bons et qu'on n'a pas de soucis. Donc là on peut voir que je me suis fait éclater mais sans aucun lag, c'est déjà une très très bonne surprise. Donc on va vérifier un petit peu avec d'autres personnes, les collègues qui seront sûrement qui sont pas encore morts hein, puisque je suis mort quand même assez rapidement. On peut voir qu'on peut passer de façon très rapide d'une personne à l'autre sans lag et rien, donc c'est plutôt bien. Après, il faut savoir que donc c'est le moteur du jeu venant du PC et qu'ils ont tout mis au minimum. C'est-à-dire que tous les effets de star qui sont intéressants, bah, ils sont tous partis. Et sachant que c'est un moteur qui est extrêmement énergivore, qui est très peu optimisé, hein, eh bien, on se retrouve avec des graphismes qui sont pas vraiment dignes du mobile. Au final, on se retrouve avec un truc inférieur à ce qu'on peut trouver au final par rapport à d'autres moteurs de jeu assez récents. On se retrouve sur XCOM, donc XCOM qui est un jeu porté du PC jusqu'à Android, donc il nécessite une certaine puissance graphique et même processeur pour pouvoir faire tourner le jeu. Et bien c'est plutôt le cas, hein, comme on peut le voir, le jeu est totalement fluide, hein, on va dézoomer un petit peu. Le jeu, oui, il n'y a aucun souci là-dessus, on va aller... Hop, ici, sprint. Donc là, le jeu aussi tourne en 720p, puisqu'on est toujours en mode 720p. Hein. Moi, je fais tout le test en 720p. On va essayer d'aller là. Est-ce qu'on peut aller là? Oui. Hop. Et donc, on peut voir que côté donc fluidité, etc., on se retrouve avec vraiment un jeu complètement fluide. Donc ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir jouer à XCOM sans souci. Alors, comment peut-on résumer ce Honor 6, donc ce mobile à 300 €? Eh bien, pour moi, ça reste actuellement, hors import, attention, l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut trouver en France. Malgré ses défauts, qui sont donc l'autonomie, notamment, qui, sur certaines séries, comme moi, par exemple, ont des gros, gros problèmes, qui sont plus ou moins accentués, comme par exemple, si je vous montre par exemple ce qui s'est passé pendant les jeux, en fait, pendant que je faisais le test de jeu, bah, vous voyez, j'ai eu des surconsommations de dingue qui sont des trucs comme ça. Là, c'était même avant. C'est le plus gros souci que je peux trouver actuellement, ce serait ça. Au-delà de ça, le Honor 6 ça est bon dans à peu près tout, c'est-à-dire qu'il a un bon design, il est léger. Il a une autonomie qui reste tout de même correcte, même si c'est en dessous de ses prévisions. Il a un bon écran, mais en fait, il n'excède en rien. C'est ça, en fait. C'est un peu comme son prix. C'est-à-dire que il est un bon prix, c'est pas le meilleur au monde, puisqu'on peut trouver quand même mieux ailleurs si on cherche en Chine, par exemple. Mais ça reste quelque chose de très intéressant. Et c'est ça, en fait. On peut résumer un peu le Honor 6 comme ça. C'est que c'est l'un des meilleurs rapports qualité en France, qualité-prix en France. Mais il a quelques soucis et il n'excède en rien. Il n'a rien de réellement exceptionnel. Donc c'est vraiment là-dessus en fait que ça va jouer. C'est si vous voulez un mobile qui soit vraiment équilibré en tout point, qu'il ait une bonne autonomie, un bon son, un bon processeur, de bonnes performances graphiques et un bon design, bah c'est celui-là qu'il faut. Il est passe-partout, il conviendra à peu près à tout le monde.
Et voilà, c'est à peu près comme ça qu'on peut le résumer. Il n'a rien de particulier, je le trouve en fait, on va dire presque banal, on va dire. Autant dans le design, c'est surtout là-dessus, design un peu mélange Xperia Z, iPhone, que dans tout en fait. Donc, moi après, c'est mon avis, c'est un mobile qui pour moi ne me convient pas. Parce que j'attends certaines choses et qui ne sont pas forcément ici. Mais ça devrait convenir à peu près tout le monde. C'est vraiment le téléphone, voilà, il est fluide, il est bien, il est bien partout. Sans, voilà, c'est vraiment ça en fait, le sens du Honor 6, c'est ça. C'est qu'il est bien en tout, sans exceller dans rien. Donc il fait des bonnes photos sans plus, etc., etc. C'est vraiment comme ça que ça se résume. Pour l'instant, au MIUI 3.0, le reproche que j'aurais à faire, c'est qu'il y a quand même quelques petits bugs par-ci par-là, rien de très grave, mais ils arrivent et c'est pas forcément quelque chose de normal, ça reste assez rare. Et surtout, l'autonomie qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on devrait attendre avec une batterie de 3100 mAh et le processeur qu'il y a. Donc, ça devrait être réglé, je l'espère, avec 5.0 Lollipop ou des correctifs qui devraient arriver prochainement parce que, bah voilà, c'est. Un processeur qui est encore jeune, le Kirin 920, la vie, il faut encore de l'optimisation des drivers, gestion de la RAM, etc. Et c'est le plus gros souci que j'aurais à dire parce que si il arrive à être optimisé côté autonomie, ce sera l'un des 5 pouces qui serait à la fois le plus fin et le plus autonome qu'on peut trouver. Il aurait le meilleur compromis, le plus fin, le plus léger, le plus autonome en 5 pouces tout en ayant des bonnes performances. Et c'est là-dessus que ça va jouer parce que c'est vrai que les autonomies phablettes, bah, c'est vraiment phablette quoi. Surtout du 5.5, c'est là où on a des grosses autonomies. En 5 pouces, ça reste plus discret et le Honor 6, une fois qu'il sera optimisé, il pourra exceller là-dedans. Mais pour l'instant, il reste à la hauteur d'un Galaxy S4 et 5 et même un petit peu moins. Ça dépend de l'utilisation, ça dépend des séries. Moi, je suis tombé très très bas avec certaines applications, comme je vous ai montré là. Donc c'est ça. C'est pas en soi, c'est pas quelque chose qui va rebuter, mais pour ceux qui cherchent vraiment une très grosse autonomie en se disant, voilà, il y a 3100 mAh, eh ben non, c'est pas réellement le cas. Il faudra attendre des mises à jour. Mais sinon, pour ceux qui veulent tenir une journée de façon normale, comme n'importe quel smartphone, eh bien cela lui conviendra. Donc, bah, j'espère que ce test vous aura plu. Maintenant, moi, il faut que je m'attaque au test express et vous allez avoir aussi une petite surprise vendredi pour ceux qui nous suivent régulièrement. Pour ceux qui nous regardent ça quelques jours après, ce sera trop tard. Donc, bah, sur ce, à bientôt pour de prochains tests. J'espère que ce test vous aura plu et sera assez complet pour vous. À bientôt sur AndroidGames.fr. Petite vidéo bonus, on va parler un peu de la flip cover officielle du Honor 6. Donc, c'est une flip cover simili cuir. Donc extérieur très simple qui va permettre aussi de le rabattre pour avoir un côté incurvé et de regarder par exemple la télé, des choses comme ça. À l'intérieur, nous avons donc juste cette partie-là et une coque pour pouvoir insérer le téléphone. Donc quelque chose de très particulier, rien de particulier. On a juste, alors la petite chose, c'est la petite fenêtre ici qu'on peut voir qui va permettre deux choses. Tout d'abord, pouvoir réveiller le téléphone. Comme vous pouvez le voir, ici ça va permettre d'avoir juste une fenêtre où on va pouvoir même aller sur le lecteur de musique pour lancer une musique ou l'arrêter tout simplement ou changer de musique. Et si vous voulez déverrouiller, donc s'il est éteint ou si même s'il est allumé, vous avez juste à lever et hop, ça va le déverrouiller direct. Donc c'est plutôt pas mal. Alors petite chose par contre, c'est que il met un peu de temps pour ne plus avoir ce côté un peu rigide. Hein. Je l'ai utilisé pendant une bonne semaine. Et comme vous pouvez le voir, bah, il a toujours un peu de mal à rester bien plein en fait contre le téléphone. Il est toujours un petit peu, comme vous pouvez le voir, comme ça. Hein. Donc c'est un peu dommage là-dessus. C'est juste que c'est un peu long. Mais sinon, c'est une flip cover qui remplit plutôt bien sa fonction. Elle est plutôt légère, elle grossit pas trop le téléphone. Et en plus de ça, on peut quand même bien le plaquer contre le reste. Ce qui fait que bah voilà, c'est une petite flip intéressante qui permet au lieu de devoir déverrouiller derrière, et bien justement de juste lever pour déverrouiller. Donc voilà, petit aparté pour ceux qui seraient intéressés par cette flip cover officielle que vous pouvez retrouver sur Amazon.